Yo les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On va se retrouver pour un build, le build super optimisé au trompe-mort du Trickster, avec aussi à la clé la petite astuce pour améliorer votre armure exactement en Godroll. Pas en Godroll d'armure, mais avec les mods nativement sur votre pièce. Ça m'a été beaucoup demandé sur mes streams. Donc je vais refaire une vidéo présentation où cette fois-ci je vais expliquer comment avoir les pièces avec les modes niveau 2 souhaités à coup sûr, hein, vous n'aurez pas besoin d'en goûter 50, une seule pièce bleue suffira, et c'est en fait, on va jouer sur l'amélioration, c'est-à-dire que quand tu améliores une pièce en violet, donc chez Monsieur Zaidi, il va te proposer trois modes de niveau 2, et si jamais tu n'as pas celui que tu veux, en fait tu peux faire une petite astuce, sur PC c'est Alt F4, sur console vous fermez l'application. Et en fait, avant de faire cette petite manip, quand vous arrivez au camp ici, tranquillement, vous faites revenir au salon. Donc, aussi simple que ça, vous faites revenir au salon. Vous avez une pièce bleue qui est parfaite, avec dégâts d'armes, réduction du temps de recharge et dégâts à courte portée. Vous voulez, par exemple, tromper la mort en natif. Donc, vous quittez, vous revenez, très important. Parce que c'est ce qui va permettre de ne pas déclencher la sauvegarde automatique lors de l'amélioration de la pièce. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à faire votre popote. Vous avez une pièce bleue, bien sûr, il faut noter la pièce bleue avec les trois attributs souhaités, hein. Faut pas non plus que ça tombe tout cuit. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher le talent niveau 2 que vous voulez en fermant l'application jusqu'à avoir le talent souhaité. Donc ça, c'était pour la petite aparté, comment avoir sa pièce parfaite sans farmer comme un goré, hein, clairement. Ensuite, on va avoir une petite variante pour le saut irradiant, parce que là, c'est un mode niveau 1, donc c'est pas lors du passage en violet qu'on va aller chercher. Celui-là, c'est au passage au niveau bleu, c'est-à-dire que là, pour cette pièce-là, il a fallu que je l'achète en verte, donc niveau 50. Donc ça, il faut que vous allez camper le marchand de la première ville, qui est donc... j'ai oublié son nom, d'ailleurs. C'est à Rift Town, voilà, vous allez à Rift Town, il y a un marchand qui vend du stuff, et là, vous surveillez les gants, sachant qu'avec chaque compte, si vous avez plusieurs persos, le vendeur vend des objets différents. Et donc vous allez chercher des gants verts qui ont puissance de feu, dégâts à courte portée, réduction du temps de recharge. Et à partir de là, à l'amélioration en bleu, vous allez chercher le saut irradiant. Et comme ça vous permet d'avoir une pièce après violette où vous pourrez recalibrer le talent du bas et vous aurez saut irradiant. Parce que saut irradiant, c'est la base, c'est très important. Ensuite pour les talents, donc on va faire un petit peu l'inventaire des talents offensifs qu'on utilise. Donc on utilise notamment en première classe Œil de Lynx. Entièrement de première classe qui, on va dire, est pas obligatoire, mais c'est quand même très fort. Hein. C'est quand même très fort. On va pas se cacher, 50 000 d'armes à feu, surtout quand tu joues solo, t'es entouré de mobs, c'est quasiment tout le temps popé. Ensuite, moi sur l'armure, je suis parti sur Trompe-la-Mort, mode de survie et sociable. On peut partir sociable, ça va être le mode que vous pourrez changer. Sociable, moi je peux jouer coup de chevrotine à la place, ça dépend de mon humeur. On peut jouer la tête haute qui, après la dernière mage, a pris un petit buff qui est sympa aussi. Ou on peut jouer le drain de vie pour la survie. Donc en gros c'est les trois choix possibles. Donc hein, je regarde. Vous pouvez jouer soit sociable, drain de vie, coup de chevrotine ou la tête haute. Trompe la mort, vous pouvez aussi le dégager. Si vous êtes chaud, chaud bouillant, je sais qu'il y a certaines maps qui nécessitent pas forcément d'avoir des talents défensifs. Hein, je prends l'exemple par exemple du Colisée ou des arcanes d'Inok. Là vous pouvez remplacer sociable trompe la mort et mettre coup de chevrotine tête haute, clairement. Là vous partez full offensif. Ensuite, la recharge instantanée que vous chopez sur le col ou gaquet, celui-là en présente plus, c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos chargeurs sur la TP rechargés instantanément. Espace vital à la place de coup de chevrotine, ça c'est la modification du build, car espace vital a subi un petit buff sympa de 10% de dégâts à courte portée, donc maintenant c'est 25% de dégâts d'armes, et c'est énorme. Donc si vous jouez comme moi avec un trompe-la-mort sociable, trompe-la-mort drain de vie ou trompe-la-mort coup de chevrotine, bon, de toute façon, espace vital, vous allez le sloter. Mais si jamais vous jouez, par exemple, avec une variante un peu plus défensive, comme Trompe-la-Mort, Drain de Vie, et que du coup vous avez soit le choix entre Espace Vital ou Coup de Chevrotine, c'est Espace Vital qui est devant et de très loin. Maintenant, les dégâts sont clairement au-dessus. J'ai fait quelques essais, et il n'y a pas photo. Donc ensuite, Saut Irradiant, munition offerte qui est très confort pour démober, parce que du coup on ne va pas utiliser la TP constamment pour se reload le chargeur. Munition offerte nous apportera, on va dire, le gain de munitions nécessaire à un tir quasiment infini. Chasseur de capitaine, soif de destruction, pareil, hein, la pièce, vous la lootez en bleu. Il faut juste caler donc les trois attributs,
puissance de feu, réduction du temps de recharge, dégâts à courte portée, et vous allez chercher soif de destruction lors de l'amélioration. Je rappelle que si vous n'avez pas le mode, vous fermez l'appli et vous revenez. La pièce sera toujours bleue. Donc vous pouvez le faire indéfiniment. C'est juste une question de temps, mais au moins la pièce, une fois que vous l'avez, vous êtes sûr de pouvoir la passer comme vous la souhaitez. Donc ça, très important. Le trompe-mort maintenant. Le trompe-mort que je n'arrive toujours pas à avoir au-dessus de 89 000, à mon grand regret. Bon, pour forteresse. Forteresse, il faut savoir que pour avoir les 43% de bonus, il faut avoir au minimum 49 000 d'armure, c'est capé. Hein, vous ne pouvez pas vous balader avec le talent trompe-la-mort qui va vous augmenter à 200 000 votre armure. Il ne faut pas croire que ça va augmenter les dégâts de la forteresse. Non, 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 c'est bridé à 49K d'armure. C'est pour ça que vous pouvez très bien partir sans trompe-la-mort et mettre aussi absorption de dégâts si vous voulez. Ou même aucun mode défensif, il n'y a pas de problème. Sacrifice obscur, c'est pour ça que là, ça commence à devenir risqué de jouer sans mode défensif. C'est un mode qui va vous donner un bonus flat de dégâts de 75% de dégâts d'armes. Seulement, il va vous drainer la santé en permanence. Donc, c'est assez dangereux. Si vous n'êtes pas nerveux dans le gameplay, vous ne sautez pas sur tout ce qui bouge pour buter tout rapidement. En gros, c'est dangereux de jouer la temporisation avec ce mode. C'est très compliqué. C'est pour ça que Drain de vie, c'est très viable dans ce build. Vous mettez Trompe-la-Mort, Drain de vie, c'est un frag, vous récupérez toute votre vie. Ça régénère 15% de la santé de l'ennemi. Donc ça prend 15% de la santé d'un ennemi, sachant qu'il doit avoir dans les 1 million de vie, un truc comme ça. Ça fait que vous récupérez 150K PV, enfin c'est hyper fort. Et à partir de là, vous êtes super, quoi. Vous êtes super. Donc les compétences. Les compétences. Donc le couteau de Venator, que je préfère à la Time Rift, parce que bah, la faille temporelle, en fait, le problème c'est que. C'est marqué 3 secondes 5 quand les ennemis en l'air, mais alors des fois vous les faites sauter, les mobs retombent tout de suite, je comprends pas trop ce truc. Le seul avantage c'est pour du speedrun, c'est-à-dire que là vous allez mettre le mode transfert de douleur pour faire du dégât de zone. C'est-à-dire que vous essayez de grouper un maximum de personnes, vous claquez votre time rift. D'ailleurs je peux vous présenter en gros comment se joue le build time rift au passage, si vous voulez la variante. Parce que j'ai quoi le faire dans les pièces. Voilà. On va voir comment on joue avec les compétences. Donc l'armure, elle est là. Et également, Soleil Radiant, en GGR, voilà. Donc si vous voulez jouer à tout prix la Time Rift sur ce même build, donc moi je pars sur cette tête-là parce que du coup elle a déjà la triple portée, donc c'est très bien. Vous mettez triple portée, transfert de douleur. Ici on part sur suspension aérienne pour doubler le temps des ennemis en l'air. Donc du coup j'ai été sauté à œil de lynx forcément. Le pantalon il change pas, hein, ressort, hop, espace vital. Et donc du coup là on part sur munitions offertes, onde GGR. Très important pour la vulnérabilité. Et là on voit qu'on a un build bah, moins offensif dans les faits, puisque qu'on n'aura pas enterrement de première classe, on n'aura pas potentiellement coup de chevrotine. Parce qu'en fait le problème de la faille temporelle, c'est qu'il demande beaucoup de modes. Vous voyez, on a transfert de douleur, ça fait un triple porté, ça fait 2. Suspension aérienne, ça fait 3. Et un quatrième, c'est-à-dire que c'est un build qui nécessite énormément de modes d'augmentation sur la compétence. Et c'est pas ce que je préfère. Honnêtement, je préfère quand ça tape fort. Mais en gros, voilà la variante. Pareil, il faut crafter les pièces, c'est assez chiant, une par une. Tac, tac, tac. Donc on m'a déjà demandé aussi comment tu fais pour avoir 4 secondes 8 de temps de recharge sur la chasse à l'homme. C'est simple, hein, on va revenir aux fondamentaux. Toutes les pièces d'armure doivent avoir de la réduction du temps de recharge, de la courte portée et de la puissance de feu. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir un cooldown Rikiki. En gros, sur ATP. Ensuite, pour l'arbre de classe, celui-là il est assez classique. Hein, depuis la sortie du jeu, sur ce build-là, il n'a pas bougé. Donc, on part par là. On va chercher ici la perforation d'armure, puisque de toute façon, on reload pas. Donc, le temps de recharge nous sert à rien. Dégâts d'armes à courte portée. Voilà, ici, courte portée, dégâts d'armes brutes, dégâts de peupon. Équilibre pour réduire le cooldown du couteau de Venator. On augmente de 35% les dégâts sur le couteau quand il est lancé. Ça, on ne présente pas non plus. L'activation de vos compétences de classement augmente de 35% également. Ça fait 70% quand vous lancez vos deux compétences de dégâts d'armes. C'est très fort. Réduisez de 15% le temps de recharge de la tromperie. Encore une fois. Fin inattendue. Donc là, c'est les dégâts par derrière. Le petit couteau, c'est les dégâts dans le dos. On a 40% de bonus de dégâts d'armes. Augmente vos dégâts d'armes. Dégâts à courte portée. On prend la réduction du temps de recharge aussi sur la compétence de déplacement, très important. Augmente les dégâts de fusil à pompe. Ça, on va pas chercher ici, du coup, parce que c'est les fusils d'assaut. Et nous, on part sur un build trompe-mort. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le build? Donc, moi, pour l'instant, je vais faire un essai là. On va faire une petite game ensemble.
Je vais montrer sociable, parce que sociable c'est pas mal, ça augmente de 2 mètres la distance des ennemis à courte portée, ce qui fait qu'on a une portée de 12 mètres au lieu de 10 mètres en fait pour les dégâts augmentés. Et vous voyez qu'on a 145% de dégâts d'armes à courte portée. Donc en fait sociable, j'aime bien le jouer parce que du coup ça fait 12 mètres au lieu de 10 mètres, ce qui permet d'avoir une petite distance supplémentaire, d'avoir un petit peu plus de souplesse on va dire. Donc on va se faire un petit colisée, tranquillou, et alors, vous allez voir que... Donc là, j'ai pas énormément de bonnes offensives, je crois qu'on part sur 5 modes. Vous allez voir déjà que ça tape très fort, vous pouvez rajouter, comme je l'ai dit, coup de chevrotine, combiné à la tête haute, à la place de trompe-la-mort et sociable. Et vous allez voir que de toute façon, quand vous jouez solo, du moins, pas vraiment besoin d'avoir plus que ce que j'ai là. Oui, alors par contre... Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus le couteau. La petite roulade de lancer le couteau Venator permet de cancel l'animation, donc en fait c'est un petit gain de temps non négligeable. Là, par exemple, vous faites couteau roulade, vous voyez, il est parti pendant ma roulade, j'ai des bien intensifs. Sinon c'est assez bon à lancer. C'est un petit peu son seul défaut. Là, vous voyez, avec sociable en fait ça me permet vraiment d'être assez souple. Une munition offerte. Vous voyez, j'ai pas besoin d'utiliser la téléportation, je suis toujours à 14 balles. Donc, en gros, vous one shotez les petits et ça vous régénère 2 balles dans le chargeur. 2 ou 3 balles. Là pareil, petite roulade en arrière. À chaque fois que vous lancez un couteau, essayez la roulade. Vous verrez, c'est vraiment sympa. Oui, très bonne portée là, hein, clairement. Grâce à sociable, on peut vraiment jouer de loin. Et je trouve que ça peut faire gagner du temps, hein. 2 mètres de plus, faites plus de dégâts d'assez loin, ça permet d'aller choper les mecs plus vite. Forcément. Alors lui, on lui envoie la sauce à chaque fois, de toute façon, donc hop, voilà. Ça dégage. Oui, c'est bon, on n'est même pas à 2 minutes, on a fini ça. Donc là, déjà, on est bien pour un temps correct. C'est clairement pas la classe avec laquelle vous allez faire des speedruns, hein. C'est pas un technomage, mais il se débrouille, hein. Clairement il se débrouille. Puis il a une très très bonne survie avec trompe la mort et sur bouclier, c'est pour ça que j'adore l'illusionniste, c'est le bouclier qui génère à chaque élimination. Ça permet d'avoir vraiment une survie acceptable, comparé au technomage qui fait plus de dégâts certes, mais il est aussi plus fragile. Après... Là, je vais prendre un blanc sans me buffer, mais vous voyez que ça passe déjà en un chargeur. Sinon, en 3-4 balles, il roule dessus, hein, normalement. Ils sont assez chiants parce que du coup, ils restent à distance, les salauds. Vous voyez, on a une très bonne portée, hein. Le petit coup de magie, si vous tombez à zéro au niveau du chargeur, vous utilisez la téléportation et vous claquez bien un petit coup de magie à la fin. Ça permet d'annuler le rechargement et de conserver vos balles. Des fois ils tournent vite ces mobs là, ils arrivent direct dans ton dos. Quand ils ont pas tendance à fuir aussi comme des lâches. Ah, il m'a bien shooté lui.
Voilà, pas mal. 4 minutes 30, c'est acceptable. Voyez, là, j'ai pas de drain de vie. Bah, drain de vie, quand vous tuez les ennemis hyper rapidement, puis par paquet, en fait, drain de vie, c'est pas forcément obligatoire. Qui donc êtes-vous? Alors les sauvages ont trouvé une capsule. Et maintenant ils pensent que je vais tomber dans ce piège grossier. Ah, quelle bande de clowns. Je pense que c'est le dernier monstre, mais ce cinglé n'a pas l'air ravi. C'est parti. Oui, c'est très appréciable à jouer hein, comme build. Je crois qu'il a pris un bon shot, tu vois. Ils sont un peu chiants avec leurs grenades. Mais... Ils ont des coups en fait qui vous mettent en glace. Là, c'est chiant. Voilà. Voilà pour l'efficacité. On voit que c'est très 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 rapide hein, quand même. Les mobs tombent vite. Le seul défaut c'est que bah, c'est un build mono cible. Hein, clairement, il va falloir aller chercher les frags un par un. Mais vous tapez tellement fort que c'est assez jouissif. Même en multi, vous roulez sur le jeu, même quand il y a 3 joueurs et que les mobs ont 3 fois plus de vie. Moi, comme je vous dis, vous enlevez sociable, vous mettez un petit peu plus de dégâts et coup de chevrotine pour compenser. Bon, on va quand même regarder si on a eu un petit loot sympa, ça serait bien, hein. Un petit trompe-l'œil. Comme si je rêve, mais bon. Fameux gant de boulet de canon, chasseur de capitaine. Ouais, voilà, que de la merde, hein, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, c'était pour la présentation du Trickster corps à corps. Trompe mort, ah, vous voyez, très très fort, depuis la mage, avec espace vital, c'est surtout l'espace vital, hein. Le reste sur ce build-là, il n'y a rien qui a changé. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à faire un petit commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt, tchuss tchuss!